Bonjour à tous et bienvenue sur Chambre TV. Cette semaine, à bord du taxi des entrepreneurs, je suis en compagnie de Jean Taïbi, qui est le co-dirigeant de la société Vinotilus. Bonjour Jean. Bonjour Aurore. La société Vinotilus est une agence de voyage spécialisée dans les voyages thématiques voile et vin, donc et gastronomie. Ça va évidemment des voyages voile et vin, également plongée, randonnée et ainsi de suite. C'est unique à Épernay et Reims, puisque notre agence donc est spécialisée dans la matière de tous ces types de voyages thématiques, sous une enseigne qui est l'enseigne de Selectour nationale. D'accord. Mais c'est la société Vinotilus qui organise à Reims et Épernay ces types de voyages. Donc on peut imaginer découvrir des vignobles lointains et en même temps allier une croisière ou une expérience nautique. Absolument, que ce soit en Bretagne, en Normandie, voire même, pourquoi, au lac du Der. Mm-hmm. Parce que le lac du Der fait partie, en tout cas, des sites les plus privilégiés pour les touristes champagnardais. Combien de salariés aujourd'hui ? Aujourd'hui, 5 salariés. Je dirais on veut rester dans notre petite entreprise artisanale, si je peux m'exprimer ainsi. Et alors, quels moyens de communication vous utilisez ? Les moyens de communication, ben, d'abord, c'est le réseau, c'est Selectour, hein, qui nous permet, à travers les 1350 agences de voyage, de communiquer à l'ensemble du réseau. Et puis également, ben, évidemment, le Facebook traditionnel, le Twitter, et ainsi de suite, parce que mon associé, donc Sébastien Higonnet, qui est le gérant fondateur de l'entreprise Vinotilus il y a déjà plus de 6 ans, donc lui, par contre, c'est lui qui organise, qui guide tous ces voyages, donc à thème vin et voile. D'accord. Très bien, merci Jean. De rien. Au revoir. À bientôt sur Chambre TV.